Bonjour à tous, aujourd'hui petite revue de liquide, on va se faire le liquide Corse de chez Délices, hein. Donc picto habituel et obligatoire, plastique souple, sécurité enfant sur le capuchon. On a une odeur un peu de biscuit. Quand on sent le liquide comme ça, je vais mettre quelques gouttes dans le A7 sur le ZMAX V3. Allons-y. Je vais essayer de voir les gouttes comme d'habitude. Je ne vais pas en mettre énormément parce que j'ai déjà testé ce liquide et que je le trouve pas excellent. Donc voilà. Hop. Allons-y. Une bonne vapeur acceptable pour un 80-20. Un hit plutôt en haut de gorge. Avec un goût de tabac, ouais, très sec. Très sec. Légèrement biscuité. On se dirige vers du RY4, Ruyan 4, j'ai du mal avec ce nom. RY4, mais un RY4 raté. C'est pas un tabac très gourmand. Pour moi, on est loin. Voilà, qu'est-ce que je peux vous dire, pour moi, c'est un des liquides les moins bien réussis des tabacs de la gamme Délices. Voilà, le USA Mix est meilleur. Celui-là, pas terrible. Sur le drip, en tout cas. Sur un Kanger, ça passera pour les fumeurs, ceux qui veulent décrocher de la clope. C'est raisonnable, ça peut se vaper. Au bout de quelques mois, vous ne serez plus vapé ça, c'est sûr. Je ne vape plus, je l'ai testé, je l'ai goûté. J'ai des gens autour de moi qui aiment bien, donc j'en ai pris. Mais le flacon va vite partir pour soit un abonné durant un contest, soit un proche, je sais pas encore. C'est pas vraiment ce que j'apprécie. Voilà, c'est un liquide que je ne recommande pas particulièrement. Voilà, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? J'essaie toujours de continuer dans la même ligne, dans la même optique. On m'a demandé quand même une petite revue pour les débutants sur les IGO, les batteries IGO. J'en utilisais, mais j'utilise maintenant principalement mon mode, soit dans cette version, soit dans la version courte, quand j'utilise juste un Kanger pour partir en soirée. Puisque c'est un mode qui, dans sa version courte, est assez compact pour être promené... pour être promené en toute discrétion. Non, c'est tout. C'est tout. C'est pas une très longue vidéo cette fois, parce que le liquide ne le justifie pas. On m'a demandé aussi pourquoi je ne faisais pas deux ou trois liquides dans la même vidéo. Je crois l'avoir déjà expliqué. Pour moi, le liquide, ça se réfère beaucoup au goût. Et or, au bout de trois ou quatre liquides, même deux ou trois liquides, vous êtes... Moi, mes papilles ne le supportent pas. C'est-à-dire qu'au bout de quelques puffs, on sait très bien vers quoi on se dirige sur un liquide. Par contre, si on doit passer un deuxième par-dessus et un troisième par-dessus, il me faut des laps de temps. Alors oui, il m'arrive de faire deux tournages dans la journée, au maximum deux tournages dans la journée, mais jamais plus parce que après j'ai les papilles totalement en vrac. D'ailleurs, je vape, pour ainsi dire, presque qu'un liquide toute la journée. Donc non, je ne fais pas ça. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? C'est tout. Je vais me faire une petite vape sur du Grumpy Hooch dans un Evode BCC. Sacrilège. Salut Hervé. J'adore ce liquide, j'adore ce consommable et je trouve qu'il va très bien dedans.
bonne rasade de Campigouche. Sur ce, je me fais une dernière petite vape et je vous laisse tranquillement aller voir d'autres vidéos. Bye.